السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج تيجيني توك. أنا محمد تيجيني وكنقدم لكم هذا البرنامج من على قناة مغرب تي في. اليوم غادي نتكلموا على واحد القصة جميلة جدا. هي في الأصل قصة حزينة، ولكن الحمد لله بفعل التضامن ديال المغاربة ديال العالم، خاصة وأنه البادرة جات من بلجيكا، بفضل التضامن ديال المغاربة الحمد لله هذه القصة اللي كانت حزينة وكانت غادي تنتهي حزينة، الحمد لله هذيك القصة انتهت بواحد الفرحة بواحد السرور، وخاصة بواحد الشفاء ديال واحد الشخص اللي كان للأسف كان في واحد الحالة خطيرة. واحد المغربي جا لبلجيكا في زيارة خاصة وقعت له يعني أزمات يعني قلبية، وكان لا قدر الله غادي توقع له كارثه، ومشى للمستشفى وقال له خصنا نعملوا لك العمليه، ولكن حيت ما عنده شي الفلوس وما عنده شي الاوراق للاسف هذاك المستشفى البلجيكي رفض يعمل له العمليه، وكان هذاك السيد غادي يموت لولا تدخل الحمد لله بعض افراد الجاليه المغربيه البلاجكا من اصل المغربي اللي مقيمين هنايا، وعملوا واحد النداء وتفاعلوا المغاربة في بلجيكا وخارج بلجيكا في العالم كامل. وكانت المفاجأة أيضا أنه كان تفاعل وتضامن ملكي، محمد السادس ملك المغرب شخصيا سمع هذاك النداء وتدخل حتى هو كملك المغرب ولكن كمغربي أيضا، وتضامن مع هذاك من المواطنين ديالو هذاك المغربي اللي كان في بلجيكا، وساهم ب 30 ألف أورو بالإضافة إلى الرعاية المولوية على هذا الشخص. قصة جميلة جدا غادي نحكيها لكم وغادي نتكلموا عليها بحضور واحد الشاب فنان مغربي معروف هنايا في بروكسل وفي بلجيكا سميتو أبدالون فغي، هو الضيف ديالنا اليوم، وهو اللي كان بين ناس اخرين بطبيعه الحال كان وراء هذه البادره الجميله جدا. عبد الواحد فقير المبتغي. بيان سور. السلام عليكم عبد الواحد. السلام ورحمه الله. كومون تي با؟ سافا بيان. Alors, j'ai rappelé, vous êtes artiste comédien, vous êtes plus connu sous le nom artistique de Abdel Onfray. Yak. Aujourd'hui, on ne va pas parler de vous. Je sais que ça va. Genre. Ouais, hein, ça va vous choquer. Ça je ne veux pas qu'on parle de moi. Ah, d'accord. Mais on a eu l'occasion sur ma chaîne de vous inviter, de parler de... Mais aujourd'hui, on va parler, vous avez été à l'initiative d'une action humanitaire incroyable, un rêve qui s'est réalisé. Vous avez fait appel aux dons, appel à la générosité des gens, qu'ils soient marocains ou pas. Et alhamdoulilah, beaucoup de Marocains ont répondu à votre appel. Et vous avez récolté en moins de 4 jours 30 000 euros pour sauver la vie de Mohamed, on ne va pas citer son nom. Et vous allez nous raconter d'abord un peu ce qui s'est passé, pourquoi vous êtes intervenu. Et puis on va parler aussi du soutien royal du roi Mohamed VI qui est intervenu en personne et qui a aidé cette, cette passion. Alors, Abdel. Ça avait commencé, c'est un ami à la famille qui m'a appelé, qui m'a contacté par rapport à ça. Il m'a dit, écoute, il y a un monsieur là qui est malade, et il a besoin d'argent. Il vient du Maroc et donc il n'a pas de mutuelle belge, il est venu simplement pour rendre visite à sa famille et il est tombé malade. Et ensuite, on a voulu l'opérer, mais il fallait payer donc tous les frais hospitaliers vu qu'il n'y a, pas de couverture médicale. Et il m'a dit ce serait bien de faire une petite vidéo pour faire un appel aux dons. On va voir la photo de ce Mohamed à l'hôpital. Continue. Lorsqu'il m'a dit ça, moi j'ai dit oui, ok, avec plaisir, pas de problème. Mais je ne pensais pas qu'il y aurait autant de. Que la vidéo aurait fait autant parler, dans le sens où je ne savais pas qu'il y aurait un tel impact. Avant de parler de la vidéo, Abdel, si vous permettez, mais moi j'ai appris que l'hôpital l'a quasiment mis dehors, parce qu'il ne voulait pas intervenir. Alors, c'est l'hôpital Saint-Pierre, mais moi je ne peux pas condamner l'hôpital Saint-Pierre, mais certainement certaines personnes qui travaillent là, parce que toute ma vie j'étais à l'hôpital Saint-Pierre, c'est un excellent hôpital, mais il y a des personnes qui travaillent à l'hôpital Saint-Pierre qui feraient mieux de faire de la mécanique ou vendre des fleurs. Ah bon, pourquoi ? Ils ne servent à rien, ils sont inutiles. Ils sont aussi utiles que, je sais pas moi, que de la neige au Maroc. Ça n'a aucun sens. Expliquez-nous alors. Ils sont, je crois que ça fait assez longtemps qu'ils sont à l'hôpital, ils doivent changer de métier. Donc que ce soit au niveau de l'accueil. Ils l'ont mal accueilli ou bien ils n'ont pas été compréhensibles ou... Qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais pas là.
Oui, mais qu'est-ce que vous avez entendu alors? Ce qu'on m'a dit, c'est qu'on l'a mal accueilli et qu'ils n'ont pas fait le nécessaire et ils ont dit comme quoi... Enfin, certaines personnes d'hôpital, donc je tiens encore à le souligner, ont dit comme quoi, comme par hasard, dès qu'il vient ici, il est malade. Oh tiens, c'est bizarre. Oh tiens, c'est drôle. Alors qu'il est vraiment tombé malade et que ce n'était pas prévu, en fait. Il est venu simplement rendre visite à sa famille et il est tombé malade. Et il y a certaines personnes à l'hôpital qui ont dit qu'il a fait limite exprès. Donc ça, c'est un peu grave. Ils ont refusé de le soigner parce qu'il fallait payer telle ou telle chose, quoi. C'est quand même grave. Il n'y a pas assistance à personne en danger, normalement, dans ces cas. C'est pour ça que je dis qu'il y a certaines personnes qui doivent arrêter de travailler là. Très bien. Alors, quelqu'un a fait appel à vous, ouais. Figure connue de la scène artistique bruxelloise, Abdel Envray. Vous avez dit, viens, Abdel, ouais. Y a quelqu'un qui a besoin, marocain, de chez nous, c'est ça? Ouais, moi, je pensais... Allez, j'avais parlé avec la famille avant, en leur disant, écoutez, je vais la faire. Si ça marche, alhamdoulilah, mais si ça ne marche pas, on aurait essayé. Donc j'étais plutôt dans le réaliste, mais dans un réaliste super réaliste, quoi. Comme quoi, allez, ça allait peut-être marcher, mais pas autant. Hein, je pensais pas faire 30 000 euros en 4 jours, quoi. Et j'étais super, super content et fier. Et de toute façon, moi, je suis que le sebeb. Hein. Bien sûr. Alors, vous êtes allé le voir la première fois. Comment ça s'est passé? D'abord, j'étais voir la famille, d'accord, pour parler avec eux. Et à la base, on voulait mettre en place, en fait, toute une action, en fait. Donc des spectacles, des petites actions de rue, des petits événements pour récolter cet argent-là sur 2, 3, voire 4 mois. Ensuite, j'ai parlé avec Mohamed, on a commencé à discuter un peu. Et voilà, et puis j'ai dit... Donc c'est extraordinaire. Donc vous pensez, Amadon, le cas, vraiment, quand vous étiez optimiste, rassembler cet argent sur 4 mois. Ouais. Ça, c'est vraiment le scénario optimiste. Ouais, on s'est dit, on va faire ça, on s'est dit, on va faire un spectacle dans une grosse salle, on va récupérer 10-15 000 euros. Et subhanallah, en 4 jours, vous avez récolté avec le montant, c'est incroyable. Abdel, on est amis, hein. Donc Dieu je suis sûr que tu vas rester mon ami au cas où l'Elaïzel ne m'oublie pas. Hein. Moi, c'est Dieu qui donne. Hein. Ouais mais c'est Abdel, alhamdoulilah, il dit que ça va pour l'instant. Alhamdoulilah. Ouais. Alhamdoulilah, j'espère que voilà, maintenant je suis content que Mohamed. Alors vous êtes allé le voir à l'hôpital, donc première rencontre. J'ai pas encore été le voir à l'hôpital. D'accord. Parce qu'il vient de se faire opérer hier. Ah donc, mais j'ai vu la vidéo, on va parler de la vidéo, on va la voir tout de suite. Ouais. Ah, donc avec la vidéo, vous l'avez faite chez sa famille. Donc, chez lui. Ah oui, puisqu'il n'était plus à l'hôpital, puisque l'hôpital a refusé de le soigner, puisqu'il n'avait pas d'argent. C'est ça? Exact. Bon, ça rassure, c'est pas une émission contre l'hôpital, mais bon. Certaines personnes de l'hôpital, je tiens à préciser, certaines personnes de l'hôpital, effectivement, l'ont mis dehors en disant que s'il n'y a pas d'argent, on ne va rien faire du tout. Quoi. D'accord. Et vous avez fait avec la vidéo avec quel matériel? Une caméra, c'est une caméra. Carrément. Une caméra. Je peux donner la marque, le modèle? Non. ils n'ont pas participé. Ah, on ne va pas donner alors. C'est une caméra. On va voir la vidéo, mesdames et messieurs, puis on va revenir continuer de parler de cette histoire extraordinaire de solidarité avec Abdel Envray. On voit cette vidéo qui était à l'origine de la récolte de 30 000 euros en 4 jours et qui était à l'origine aussi du soutien du roi Mohamed VI. On va parler de tout ça après cette vidéo. Alors, bonjour à tous. Salam alaikum. Donc ici on est avec Mohamed. Il a 65 ans et il a... un problème au cœur en fait, il doit subir une opération qui s'appelle un triple pontage coronarien. Hein, donc c'est une maladie du cœur. Combien de crises cardiaques tu as fait? Chal de crise d'RT, Tina? Chal de crise d'RT? Voilà, il a fait 3 crises et les médecins. Ouais, il faut l'opérer d'urgence. Donc en fait, si je fais cette petite vidéo avec lui, c'est pour faire un appel aux dons. L'idée, c'est simple, c'est qu'on arrive à un montant de 30 000 euros, ce qui nous permettra de payer, il faut savoir, uniquement l'opération. Hein, Mohamed ne pourra payer que l'opération avec ça, et tous les frais qu'il y aura par la suite s'élèvent à plus ou moins aussi 30 000 euros. Donc on va essayer de mettre en place un spectacle, on va essayer de mettre en place diverses actions pour pouvoir financer tout ça. Si toutes les personnes qui sont sur mon Facebook donnent 1 euro, on peut avoir 100 000 euros. Je vais être clair avec vous. Hein, vous savez qu'on va mettre clairement entre la vie et la mort. Il a déjà eu 3 crises cardiaques. Et à chaque crise cardiaque, ça peut être la dernière. D'accord? Donc, allez, faites un geste. Vraiment un petit truc. Voilà, n'oubliez pas que voilà, c'est 1 euro. 1 euro, c'est quoi? C'est une canette de coca, c'est un Snickers.
Je pense qu'on peut tous être capable de sacrifier un Snickers, une canette de Coca pour sauver une vie. Donc voilà, voilà, j'espère qu'on y arrivera ensemble. On peut le faire très très vite. Si chacun envoie un seul euro, on peut atteindre le montant. Je mettrai donc dans la description toutes les informations nécessaires pour si vous voulez rencontrer Mohamed, si vous voulez rencontrer la famille, si vous voulez aussi des preuves. Hein, je pense qu'on est dans une optique de transparence. On mettra aussi dans la description le Facebook de la personne à contacter et qui mettra, elle, tous les jours les revenus, et tout ce qui est rentré grâce à vous, grâce à vos dons. N'oubliez pas que ce que vous donnez ici-bas, Dieu vous le rendra plus tard. Et c'est voilà, c'est une petite action que vous ferez qui pourra avoir un impact conséquent sur la vie de quelqu'un et bien sûr sur la vie d'une famille. Merci à tous. Om Slava. Maïda Peace. Peace. Peace, Abdel. Abdel, en vrai, l'homme qui a su récolter 30 000 euros en 4 jours, plus l'intervention... Non, c'est pas moi qui ai récolté 30 000 euros. Oui, mais tu étais à l'origine. Sabab, avec d'autres, bien sûr. J'ai dit aux gens qu'il fallait récolter 30 000 euros, c'est les gens qui ont... J'ai dit 30 000 euros en 4 jours, et entre-temps, il y a encore des dons qui ont été versés sur le compte que vous avez publié, plus l'intervention royale du Rwanda. Ça, on ne va pas en parler. D'accord. On peut pas, ça restera, bien sûr, privé, confidentiel. C'est entre le roi et la famille, j'imagine. C'est ça. Ouais. Quand vous avez tourné cette vidéo, Abdel, tu parlais d'un euro. Zama, tu pensais que, Zama, quoi, vous attendiez à combien par jour de dons, Zama, au cas où... Je me suis dit, franchement, si on arrive à avoir 40 euros par jour, rien qu'avec cette vidéo, on sera super content. Vraiment. T'as vu dans la vidéo, j'ai dit des actions, spectacles et tout, on était parti dans un truc vraiment loin, quoi. Puis au final, alhamdoulilah, ça fait en 4 jours, tout a été fait, donc c'est super content, quoi. Et plus vite on avait l'argent, plus vite il peut soigner. Et quoi, on t'a téléphoné, je sais pas, la famille Moi, je vais te tutoyer. Bien sûr, on peut se tutoyer, on doit se tutoyer. C'est dur pour moi de te vouvoyer. Exactement. Donc la famille t'a téléphoné le lendemain pour te dire qu'il y a de l'argent qui rentre déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'avais un contact avec un ami de la famille. C'était lui mon pont entre moi et la famille et qui me tenait informé chaque jour, quoi. Et puis, donc, le premier week-end... Donc moi, je ne voulais pas savoir les chiffres parce que vu qu'on avait lancé la vidéo vendredi, je voulais avoir les chiffres de lundi. Donc moi, je suivais les chiffres de très près et c'est l'ami de la famille qui me donnait les chiffres. Et donc moi, j'ai demandé à les avoir lundi. Et lundi, on m'a dit qu'il y avait, je pense, 13 ou 14 000 euros. Alors toi, tu étais... D'abord, je crois que c'est une blague qui est en train de se foutre de ma gueule. Et tout. Mais en fait, c'est vraiment, il y avait vraiment eu 14 000 euros. Donc on a annoncé 14 000 euros. Et je me suis dit que voilà, on a eu 14 000 euros et puis que ça allait redescendre tout doucement. Et là, finalement, non. Deux jours après, ben, on a eu encore 14 000 euros. Mais les gens continuent à donner, quoi. Aide les gens, subhanallah, de la solidarité, alhamdoulilah. Elle vient d'où? Elle est internationale. Yak. Elle est vraiment internationale. Elle est belge, française, canadienne, suisse, italienne, marocaine, algérienne, tunisienne. Même d'Algérie. Subhanallah. Donc parfois, les gens ils disent, ouais, là, j'ai le Maroc. Mais non, on voit quand pas. Il s'agit de solidarité, les Algériens, ils sont avec les Marocains avec les Algériens. Ouais, de toute façon, la solidarité, elle n'a pas d'origine, elle est humaine. Ça, c'est une belle phrase, ça. Ça, c'est bien, ça. Faudra la mettre en dessous, en texte, là. La solidarité. Un de tes spectacles ? Je pense aussi, ouais. Alors, on aura droit à des tickets gratuits parce qu'on est co... C'est une évidence absolue. Ouais, la propriété intellectuelle nous appartient aussi. J'espère que vous avez bien enregistré. Je parle à la régie, enregistré à l'émission. Elle va bientôt valoir quelques milliers d'euros. Donc, voilà. Et puis, il y a... eu cette intervention royale, je sais pas comment ça, le roi Mohamed VI en personne a intervenu. Comme, je sais pas, est-ce que vous connaissez un peu les tenants aboutissants de cette intervention? Ce qu'on m'a dit, à ce que je sais, après je vais me tromper, mais je pense pas que je me trompe, c'est le roi du Maroc qui a demandé donc à son service, je pense qu'il travaille avec l'international, de contacter l'ami de la famille, donc ils l'ont contacté. Ensuite, ils ont demandé à l'ambassadeur du Maroc d'aller rendre visite aux malades. Et ensuite, il y a une discussion entre le médecin du roi du Maroc et l'ami de la famille. Et voilà, et puis au final, le roi lui-même, en fait, avec l'ami de la famille. Ah, le roi a parlé en personne à l'ami de la famille. Mm-hmm. C'est incroyable. Ça, c'est un scoop pour Maghreb TV. Ah. Donc, le roi Mohamed VI a pris la peine de téléphoner pour demander, pour s'enquérir de la situation. Ouais. Et ça, c'était quand même fort. Et je pense pas qu'il y a beaucoup de présidents, de rois qui prennent l'appel d'appeler personnellement quelqu'un du peuple pour dire, voilà, écoute, comment ça va, etc. Et ça. Donc voilà, c'est quand même... Donc c'est fou. Donc toi, tu as balancé avec la famille, l'ami de la famille,
allez, une bête vidéo sur Facebook, tu ne pensais pas, tu ne t'attendais pas à ce que le roi du Maroc en personne va, va appeler, va plus qu'intervenir, appeler, parce qu'il aurait pu donner ses instructions à ses services pour intervenir. Mais c'est bien, en fait, ça montre que... voilà. C'est possible, en fait, et que des actions, en fait, de solidarité, elles marchent. Et que s'il y a d'autres personnes qui veulent en faire, eh ben, elles peuvent se dire, ben, écoute, ça marche. Lui, il a fait 30 000 euros en 4 jours. Si quelqu'un a besoin de 10 000 euros, de 5 000 euros, peut-être même de 100 000 euros, c'est pas impossible. Donc, c'est possible. Et moi, je trouve que ça, et ça c'est chouette, ça, de se dire que les gens sont généreux, les gens donnent. On peut faire changer les choses. On peut faire intervenir des hautes personnalités politiques qui vont eux-mêmes prendre l'initiative. Et ça, je trouve que ça, c'est super intéressant. Et c'est le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui. C'est que si vous avez quelqu'un qui est, allez, qui est malade, ou vous avez besoin d'argent ou n'importe quoi, faites appel à la générosité des gens qui, eux, donnent. Et moi, les gens, parce qu'on a l'impression parfois de vivre dans une société occidentale, individualiste, où c'est chacun pour soi, où on ne donne pas facilement. Mais on remarque le contraire. Les gens donnent. Les gens donnent énormément. Malgré la crise. Hein. Malgré ça. Mais un euro, c'est rien. Un euro, c'est rien du tout, c'est une canette, une barre chocolatée. Ouais, c'est ce que vous avez annoncé, un euro, mais j'imagine... Est-ce qu'il y a des gens qui ont effectivement donné un euro ? Oui, beaucoup. Beaucoup ont donné un euro ? Beaucoup ont donné un euro. Ouais, c'est ce qu'on avait demandé. Et puis il y a d'autres qui ont donné plus qu'un euro. Oui. Quel est le montant ? Je ne sais pas, on ne parle pas de l'intervention royale. On parle de l'intervention... Je pense, hein, c'est 1000 euros. 1000 euros, donc quelqu'un... Est venu donner 1000 euros, je pense, c'est ça. De quel pays ? Belge, un Belge. Un Belge. Un Belge qui a donné 1000 euros. Il y avait aussi même des petits-enfants de 10 ans qui envoyaient 1 euro, 2,60 euros. D'accord. Tout ce qui me reste dans mon compte, je te l'envoie. Donc, et j'imagine qu'il y a des gens qui ont donné, ce sont des gens de différentes nationalités, différentes... Ouais, ouais. J'imagine qu'il y a des Marocains, bien sûr, bien mais sûr. Il y a aussi d'autres personnes. C'était des humains qui ont donné de l'argent. Il n'y a pas de couleur d'origine. C'est des gens qui ont été touchés par l'histoire de Mohamed et qui ont donné. Quoi. Et comment vous voulez faire le khair, tout simplement ? Tout simplement, faire le khair, prendre des hassanettes et voilà. On va voir une photo d'une visite de l'ambassadeur du Maroc, Samer Dahar, qui a rendu visite ici à Mohamed, Mohamed à l'hôpital. Donc pourquoi cette visite, c'est suite à l'intervention royale ? Oui, voilà. C'est le roi qui avait demandé qu'on allait lui rendre visite. Et d'ailleurs, moi, je vais aussi aller le rencontrer pour discuter, parce qu'il y a quand même quelque chose qui s'est créé là maintenant. C'est se dire qu'il y a des personnes, en tout cas au niveau des personnes d'origine marocaine, qui souffrent et qui aimeraient aussi avoir du soutien et de l'aide de leur pays d'origine, quoi. Donc ça, je trouve ça intéressant. Donc, ça, c'est... On va terminer avec ce chapitre, ou là, avec cette histoire de Sé Mohamed. On va voir juste peut-être les deux dernières photos, une où vous marquez que vous avez atteint l'objectif des 30 000 euros. Ouais. Donc c'est important, quoi, cette communication virale. Oui, vraiment, vraiment, c'est super important. Ça marche, hein? Il faut en fait... Parce que des gens, parfois, ils disent Facebook, c'est n'importe quoi, mais... Ah, ça fait tout. Il faut absolument... allez, c'est ce qu'on apprend même à l'école, en fait. Quand tu fais, par exemple, du marketing, que ce soit pour ton business personnel ou pour aider quelqu'un, il faut que ce soit fait de manière la plus professionnelle possible, quoi. Tu ne peux pas faire ça n'importe comment, lancer des photos n'importe comment, des textes n'importe comment, non. Il faut vraiment faire ça de manière stratégique pour dire aux gens, voilà, essayer de les toucher, les sensibiliser et faire des vraies campagnes, quoi. La dernière photo... Où c'est Mohamed dit à tous ces généreux donateurs, merci. Mille merci, ouais. Mille merci pour votre générosité. C'est là quand on avait eu 14 000 euros durant le week-end, quoi. Donc voilà. Alors, quelles sont les leçons à tirer de cette magnifique histoire ? Que la générosité humaine, elle est encore là, que les gens donnent, les gens veulent aider et veulent faire le khair, quoi. Et que les gens, pensent aux autres. Et ça, c'est super important et j'espère que ça sera le début d'une longue série d'actions humanitaires pour aider un maximum de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui viennent de plein de pays, pas forcément le Maroc, tu vois, d'Espagne, d'Italie, de Grèce, et qui ont des difficultés. Il faut aussi les aider. Tu vois, si maintenant il y a quelqu'un qui doit faire une opération qui n'est pas remboursée par la mutuelle, on doit aussi être capable de l'aider. La Belgique fait son travail, paye ce qu'elle peut payer, ce qu'elle doit payer, et le reste, on peut nous intervenir. D'accord. Et je pense que c'est quelque chose de... Vous n'avez pas pensé à créer une structure pour aider d'autres personnes ? Non. C'est trop lourd à gérer. Il y a plein d'associations qui le font très très bien. Moi, si je peux faire ça à ma petite échelle, je suis très content. Mais au-dessus, je ne serais pas capable. Vos parents ne vous ont pas dit par que là, les cas où dire l'air dernier ? Oui, bien sûr, bien sûr.
bien sûr. Mon père, ma mère. Mais surtout ma mère, en fait. Elle m'a dit, c'est bien ce que tu as fait, mais tu as fait ça pour Dieu. Donc elle m'a dit, n'en parle pas, ne fais pas étalage de ça, garde ça pour toi, t'as ça pour Dieu, c'est très bien. Et, moi, parfois je suis d'accord, parfois pas. Hein, parce que parfois, quand on fait quelque chose, une bonne initiative, il faut le dire, il faut la rendre publique, comme ça, on encourage d'autres personnes à donner, à aider. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là, parce que si on n'en avait pas parlé sur Facebook, si j'avais pas fait la vidéo, peut-être qu'on n'aurait pas eu l'argent aussi vite. Donc j'en ai parlé, fatalement. Mais il ne faut pas que ça soit, ça devienne une autopromotion. Voilà, c'est ça. Je tiens aussi, peut-être, vous allez le faire mieux que moi, à remercier toutes les autres personnes. D'abord, tous les donateurs. Puis les gens qui ont soutenu la petite famille. Ouais. Moi, je tiens à saluer plus spécialement quelqu'un qui était à vos côtés, la personne qui a tenu la caméra, qui a été aussi pour beaucoup dans cette histoire. Ouais, vraiment, énormément. Mais qui n'a pas voulu apparaître, il n'a pas voulu qu'on cite son nom. Bien qu'il a fait beaucoup de choses, tout simplement parce qu'il travaille dans le monde politique. Moi, je l'avais invité à venir avec vous. Il m'a dit, non, c'est Mohamed, je ne veux pas qu'on dise, parce que moi, je fais de la politique. Les gens, ils vont l'interpréter, je préfère pas. Et j'ai dit, c'est tout à votre honneur et je tiens à vous féliciter, à vous remercier. Il y a Kabdel, il y a des personnes qui méritent vraiment les remercie. Les gens, vraiment, le public, quoi. Tu vois, les gens sur Internet, les donateurs... c'est eux qu'il faut remercier en fait, finalement, c'est eux, parce que sans eux, on n'en serait pas là aujourd'hui. D'accord. Mohamed, il n'aurait pas pu faire son opération. Et c'est Mohamed, comment il va, Mskine ? L'opération a été faite ? Il va bien, je vais aller lui rendre visite ce soir, et non, ça va très bien. Ça va très bien, et je pense qu'il va bientôt retourner au Maroc, et voilà, et très bien. Nous avons eu le chiffre d'Abdel Wahid Fakir, Abdel Envré, tu es Tanjaoui, tu es l'Asdek de Tanja, qui est dans l'Arabie. Je fais le type bien intégré, je parle bien français. L'Arabie est jolie, mais il y a 30 degrés de fièvre, 40 degrés de fièvre, voilà. ماشي مسالك كشي المغرب كل عام يلا تقول شنو تقول للناس اللي يعاونوا بالفلوس ولا اللي ما قدرش يعاون دابا ولكن يقدر يعاون من بعد وشنو كتشجع الناس انهم يتعاونوا في بعضياتهم الخير اللي كيعملوا دابا هما في الدنيا ربي يرد لهم في الاخره اعمل الخير باش تطلع الدار ديالك في الجنه العربيه ديالي مسكينه مره لا 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 مره ضخمه مره لا مره مسكينه عيانه فيها لحطاش عبد الواحد فقير عبد الانفري ارتست كوميديان تري كونو ici en Belgique à Bruxelles je te remercie beaucoup بارك الله فيكم بيانتو عندك ان سبيكتاكل سي با غاف جي با في لا بروموسيون دو سا ici واخا ما يكون من يقرب نعاودو نتعيطو واخا فوالا كون جو فيندري بور موا اون بارلا سا فا اذا بهاد الكلمات الأخيرة كنقول لكم مع السلامة ونتمنى نتلقاكم في حلقة أخرى وهذه مناسبة كانت عندنا باش نشجعوا المواطنين ديالنا ويكونوا مغاربة ولا ماشي مغاربة أنهم دائما يتضامنوا ويساعدوا المحتاج واللي عنده يقدر يعاون وربي غادي يخلف عليه وهذا هو الهدف من هاد الحلقة اللي عملناها إذن إخواني أخواتي مع السلامة